bien, je n'en reviens pas que vous soyez toujours en vie. J'avais parié le contraire avec Sabine. Donc vos magouilles de la résistance nous ouvrent une toute nouvelle source d'information. Je viens de mettre la main au sens figuré, bien sûr, sur... Ok. Les agents peuvent récupérer des colis dans n'importe quelle boîte et les livrer dans la boîte de destination. Je joue déjà à Death Stranding en tant que livreur. Enfin, c'est bon. Les colis peuvent avoir jusqu'à 3 propriétés, chacun avec sa propre difficulté. Ok. Une pépite du ministère des Affaires citoyennes. C'est quoi ? Les services d'intervention et de renseignement des signaux, ou SIRS, ont développé une technologie de surveillance appelée reconstitution en RA. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day. Faire partie de DeadSec est un engagement de tous les instants, alors j'ai pensé à un moyen d'améliorer un peu l'ordinaire qui en plus colle avec notre mission. Beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour qu'il n'arrive rien à leurs marchandises délicates. Certains sont même prêts à vous payer pour faire la livraison. Ah ah! Ah oui, des trucs de livraison partout. Oh, ça va être un truc. On va faire un chaîne, j'espère pas. Bon, allez, on reprend le mode du ninja. Ah, c'est trop. Bon. On est sur ça quand même. Bon, c'est pas fait pour, visiblement. Arachno-robot. Oh! Mais non. Pour moi, j'aurais sauté jusqu'ici, mais visiblement, le jeu ne veut pas. Donc, je peux sauter directement, ce qui est improbable, évidemment. Est-ce que le robot lui peut faire... Ah ok. Si on m'en propose un, c'est sans doute parce que lui il peut. Les sous-entendus du jeu. C'est ça. C'est-à-dire que je peux récolter les objets que j'ai besoin. Avec... mon petit robot. Du platformer. Allez. Ah! Ça va, je peux sauter. Oui, en plus, de toute façon, même si j'avais réussi à monter, il fallait obligatoirement la petite araignée. C'est quoi ces bruits de sonnerie toutes les deux heures? Oh, je suis flou. Un drone est déjà en route. Ok. C'est des objets à récupérer en pingant. Prendre ça pour un oui. J'ai perdu mon araignée. Oui, bah j'aurais peut-être pas dû le désactiver pour comment ça marche. Moi je voulais juste... Quoi ? Je sens le tuto là, je vois pas quoi ce que tu fais. Est-ce que mon personnage peut pirater le drone ou pas le désactiver ? Désactiver. Il y a sans doute quelque chose à faire, mais là je vois pas. L'araignée peut pas monter, visiblement. C'est pas fait pour. Est-ce qu'une distance de saut? Solide l'araignée.
tout est fait pour que... Ouais, je sais pas comment je dois faire, je peux m'en occuper, tant pis. Attends, un autre mini tuto pour m'expliquer. Faire une livraison pour voir à quoi ça consiste. Est-ce que c'est des quêtes qui se rebootent? Alors, ministère des Affaires citoyennes. Attention, c'est la patate si la police vous surprend avec ça. Si vous vous sentez débordé ou que vous voulez souffler un peu, n'hésitez pas à passer la main à l'une de vos nouvelles recrues. À vous de voir. C'est ça l'avantage de travailler ensemble plutôt qu'en solo. Très discret devant le flic. Et voilà. Ok, bon. Ah mais c'est au même endroit. Excusez-moi, je suis passé. Ah! À se faire poursuivre ici, c'est pas. Bonjour. Centrale, on se pousse après la cible. Abruti! Touché! Donc, je disais. C'est bon, j'y suis. En théorie, une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance, accéder à un relais de données que je prélève toutes les métadonnées de la zone. Je vais pas pouvoir rentrer là. J'imagine que si je lance. Cette poursuite ne donnera rien. Les araignées, c'est pratique. Voilà, maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. Alors, où sont les gardes? En voilà un là. Un autre ici. Ouf. Un autre ici. Non, je voudrais reprendre mon drone quand même. Ah, c'est parce que je pensais qu'il y en a un qui est juste à côté. Alors, tu retournes pas sur moi, toi. L'autre côté. Ah! Excusez-moi, je vous ai oublié, vous n'avez pas très armé donc. Bon tout. Ah! Quel sens tu vas tourner toi? Oui.
Mais non. Merde, je la verrouille. Ah. Allez, trouvez-le. Bon. Je fais comment pour passer cette porte? Parce que j'imagine que juste passer dedans, ça va faire tout sonner. Je vous envoie l'adresse pour un 1033. Allez vérifier. L'alarme s'est déclenchée. Je vais aller voir. Ouais. Pas l'idée du siècle. J'ai l'impression que quelqu'un parle à côté de moi. Je continue ailleurs, il n'y a personne. Il n'y a rien ici. J'essaye ailleurs. Rien à signaler. T'as la vitesse où elle court. Quoi, y'a des documents ici? Soit au-dessus de moi, soit en dessous de moi. Bon, j'imagine que c'est peut-être en dessous. Bref. Tant qu'il n'y a plus trop de gardes. Oui. Ah, c'est mon perso qui doit y aller. Ok. Il devrait pouvoir être trop avoir de gardes. Mon téléphone pour CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Eh ben, j'ai du mal à imaginer tout le potentiel de cette chose. Vous avez raison, il nous faut absolument cette géniale invention pour enquêter sur Zero Day. Mince, je n'arrive pas à cloner ce truc sur nos serveurs. Ok, accédez au réseau ici, qu'on voit à quel endroit nous pourrions en voler un. Voilà le hub CTOS. Les sœurs ont déployé cette technologie à leur QG, et je leur ai piqué le manuel d'installation du système. Alors profile bas, vous ne pourrez pas leur voler leurs jouets s'ils vous jettent dans un goulag. Ok. Donc, le demi-cercle avec un trait, c'est quelque chose à écouter, un coffre à ouvrir. Par contre, le document ici... Oh, yeah! Je sais comment pour récupérer une caméra. Ça me paraît bizarre quand même. Mais c'est pas pour moi. Petit drone! Beaucoup de parties avec le drone, visiblement. Légion. Nous sommes Légion.
une porte qui ne s'ouvre pas. Bonjour monsieur, comment on fait pour ouvrir la porte? Oh, ça fait cause. Mais elle est où cette caisse? Ah d'accord, c'est une porte qui s'ouvre tout de seul. J'ai cassé la V-Map. Bon, ça commence doucement pour l'instant, il y a 2-3 cinématiques et un gros tuto. Donc t'as ces tutos comment pirater. Mais là je comprends pas. J'essaie de faire toutes les récoltes possibles pour voir comment ça se comporte. Mais là je vois sur la map que j'ai une caisse. Je sais pas ce que ça représente. Pas quoi. Il est très bien le casque. J'ai pas choisi mais il est très bien. Enfin, je peux choisir mais... Ouais, je suis pas sûr de tout comprendre le fonctionnement. Donc c'est là-dedans, mais fait comment pour y rentrer? Non. Alors j'ai ma petite idée, mais est-ce qu'ils ont poussé le truc du drone jusque-là? Non, bah non, c'est un gros bâtiment. Est-ce que je peux passer là-dedans? Une fois que je connaîtrai toutes les astuces, j'imagine qu'elles vont se répéter à chaque fois, mais... Ah non, il dit que je marche dessus. D'ailleurs, ça fait une porte comme si ça mène à rien. Moi, pas tout comprendre. Aération. Bon voilà, je vais sortir de la zone comme me le demande. Hop, récupère ton drone. Voilà. Oui, est-ce que tu pourrais... Merci. Ce petit bijou de réalité augmentée. Le programme est hébergé par un serveur situé sur le point de chez les Sœurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le récupérer, puis de le transporter dans des zones densément peuplées, que je puisse le recalibrer pour le réseau d'EdSec et cloner ma propre version. Ah, je vois. Je n'ai qu'à aller chercher le serveur sur le toit. Et comment je dois faire? On doit trouver quelqu'un qui a accès à un drone de chantier pour trimballer ce truc dans les airs. C'est l'occasion idéale de recruter un gros bras. Dis-moi un peu où on va pouvoir trouver notre bonhomme. Allez, on enfile sa casquette de réflexion intense. Qui à Londres pourrait bien avoir accès à un drone de chantier? Pourquoi pas des ouvriers sur un chantier? Ben voyons. Ce n'était pas si difficile, si? Il y a un chantier de construction en cours pas très loin. Sans trop m'avancer, je dirais que vous devriez y trouver des ouvriers à recruter. Je vous envoie les coordonnées. Merci. Par contre, j'ai peut-être pas pris le véhicule le plus rapide. On suit, ça avance bien.
utiliser la molette sur les gens, leur capacité unique. Métier, ok. Drone, ok. On tient peut-être le bon numéro. Du premier coup ? Son profil a l'air prometteur. Oh, regardez-moi cette bête de drone. Enfin, cette personne a l'air compétente aussi. Bah, ils ont tous les mêmes capacités. C'est pas le profil qu'on cherche. La prochaine fois, peut-être. Bonjour. Non. T'as l'air d'avoir envie d'en découdre, toi. Ça te dirait de te battre pour la bonne cause ? Sérieux ? Tu fais partie de DedSec ? J'ai besoin de votre aide. Je vais consulter notre agenda. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, en fait, j'avais des dettes, et j'ai fait l'erreur d'emprunter de l'argent au clan Kelly. Je dois bosser pour eux le temps de tout rembourser, mais il faut qu'augmenter ma dette ! Si tu m'aides à sortir du rouge, je te serai reconnaissante. Ok, mes amis et moi, on va t'aider. Se battre contre un gang, mais oui, évidemment, la solution. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Si on ne fait rien, le clan Kelly va user notre nouvel ami jusqu'à la moelle. Ce chantier sert à blanchir l'argent d'une section du clan Kelly opérant à Camden Market. C'est là que doit être stockée sa dette. Entendu. Ah, c'est juste un truc de drone qui a raison. Ok. Oui. Un véhicule. Parfait. Pardon, excusez-moi. Pas pour rien chez les Kelly. Ils n'avaient jamais opéré à une telle échelle avant cela. Vous cherchez un terminal ou un genre d'appareil sur lequel le clan Kelly stocke soigneusement ses registres de dettes. Vous n'avez pas le bon outil pour travailler ? Vous pouvez échanger votre gadget contre un autre plus approprié à la situation. Je peux peut-être améliorer le gadget. Ah non, c'est tab. Les gadgets d'Atec. Oula. Ajoute tes capacités double saut et sprint. Ah, ça c'est bien ça. J'ai amélioré l'araignée à fond. Ajoute un camouflage qui peut être activé manuellement. Okay. Tu pensais un gadget, c'est une arme. Chargeur, ou ajoute un silencieux pour les attaques discrètes. Un taser discret. Propos. Chose me dit que c'est... j'aime pas trop cette carte. Ah oui d'accord, ok, c'est comme ça. Je peux faire pivoter mais pas totalement. Visiblement il n'y a pas de chemin raccourci. Que je puisse monter. Ok, il y a quelques... Effacer les données. Bon, techniquement, est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer ? Vous avez actuellement
Ouais, j'ai visiblement vraiment besoin de me déplacer. Ah, c'est quoi cette toile? Non, c'est des caméras, c'est pas des tourelles. Ok, ils sont quand même pas mal. Pour mon perso. Bon, vous pouvez effacer toutes les occurrences de sa dette. Vous tirerez notre nouvel ami de la panade financière et surtout des griffes du clan Kelly. Magnifique. Merde, c'est pas ce que je vais faire. Hors de portée, il faut que je sois... Ah, il y a 2 cm, donc en gros, il faut que j'amène mon perso, ou... Allez, petit drone, je crois en toi. J'ai déjà perdu la position de ce que je dois pirater. C'est bien que ça reste affiché. À l'étage, mais... Est-ce qu'un drone ça peut prendre une échelle? La réponse est non. Ouh, bonjour. Ok, bon, la méthode douce, c'est pas trop... J'ai mon casque qui dépasse, mais tout va bien. Mettez mal là-bas, ici c'est le désert. Monsieur d'en haut, il me verra jamais. Ils peuvent aussi utiliser des drones. Il y en a un qui m'a vu ? Il va descendre ? Oh genre ! Oh, les méthodes douces, c'est pas vraiment pour moi. Quoi. Faut que j'augmente les puissances de ce taser. Oui. Allez. Ah ! Pas le temps. Comment on fait pour monter ici ? Oh, ils avaient un... Sniper.
Transfert terminé. Ils sont plutôt bien équipés. Cannabis et antalgique enfin réunis grâce au miracle de la génétique. Oh là là, un peu too much pour moi, ça. Je me retrouve avec le même principe de la caisse que je ne sais pas ce que c'est. Monter sur ce truc. Non. Est-ce que je peux envoyer un drone au-dessus? Oui. Je suis à la bonne hauteur pour choper le truc de cargaison. Le truc de cargaison, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et là il me dit que c'est au-dessus. Faudrait que je sache à quoi ça ressemble pour pouvoir le reconnaître facilement. Ok, du coup dans la zone il y en a plus. On a épongé ta dette avec le clan Kelly. Tu es libre maintenant, mais je te conseille de réfléchir un peu plus à tes fréquentations à l'avenir. Waouh, merci. Tu sais, j'ai entendu des sales rumeurs sur vous. Oh là là. Mais les gens doivent se tromper, oui, sinon ils sont... tu m'aurais pas aidé comme ça. Plus les dettes secs sont nombreux, mieux ce sera. Tu nous rejoins? Mais ouais, je signe tout de suite. Ah non, il n'y a pas à quoi faut tuer. Je cherche trop compliqué, j'ai l'impression. Il me dit qu'il y en a un à ma hauteur. Ah, yeah, ok. Faudrait que j'observe mieux. Non, non, je vais le prendre. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as l'air d'avoir envie d'en découdre, toi. Ça te dirait de te battre pour la bonne cause? Ah merde, d'être sec! Vous pouvez peut-être m'aider. Je suis pas bien en ce moment. Je vais consulter notre agenda. Qu'est-ce qui se passe? Ma pote s'est volatilisée la semaine dernière. Zéro nouvelle, pas d'appel, rien. Je commence à flipper. C'est épouvantable. Je veux pas être méchant, mais mon ami, c'est pas vraiment une flèche. C'est le genre à pas réfléchir aux conséquences avant de faire un truc stupide. Je suis sûr qu'elle s'est fourrée dans la merde. T'inquiète, on va la retrouver.
Venez vous désaltérer et filer un jeu. Voilà, là c'était pas toi de regarder dessus. Est-ce que je dois partir loin du coup? C'est moche. Ça suit cette tête quand même. Ah, il me propose la meilleure route à sens unique, ok. Ok, patinoire. D'une résurgence de DedSec ont incité le Parlement à approuver l'usage de la force létale par les employés d'Albion. Son PDG Nigel Cass a déclaré ceci. Les terroristes de DedSec vont très vite comprendre qu'Albion, contrairement à la police de cette ville, est composé de véritables soldats. Le bureau du Premier ministre a jugé cette mesure violente, quelque peu extrême, mais néanmoins nécessaire. Quelle drôle de vie, n'est-ce pas ? Tiens, voilà ton nouveau matériel. C'est pas comme un coup d'un soir, alors... En entrant chez DedSec, c'est fini la vie normale, et pour toujours. Mais qu'est-ce qu'une vie normale? Savoir qu'on peut nous descendre à vue sans la moindre raison? Je sais que c'est l'horreur, et il faut que quelqu'un agisse. Mais j'ai des proches, moi, des gens que j'aime. Tu n'abandonnes rien, mon petit. Tu combats les cochonneries qui menacent de détruire ce que tu aimes, voilà tout. Ouais. Ok. Je suis prête. Bienvenue dans la Résistance. Parfait. Bienvenue dans l'équipe, tout ça, tout ça. Je vous ferai le speech plus tard. Dans l'immédiat, j'ai besoin de vous et de votre gros copain le drone pour accéder au toit du QG des Sœurs et voler un serveur. Vous pensez que c'est dans vos cordes? J'y vais.
Donc du coup ça se passe comment? J'imagine d'autres capacités. Je suis pas sûr que c'est pas létal ça. Un pistolet à clous? On va plutôt prendre ça. Je sais pas si c'est possible. Ah non, un agent peut avoir un seul objet, ok. Où il y a les deux? Ok. Le gadget. Ok, de toute façon j'en ai débloqué qu'un. Ok. Oh merde! Ah, c'est pas la super bonne cachette, ça. Hein? T'entends pas tout ça? Je crois qu'on devrait mettre d'autres agents en alerte. À vous. Ah, montée des étoiles. Centrale, on poursuit la cible. Centrale, on a perdu le visuel de la cible. À vous. Ok, ils m'ont oublié, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Utiliser le drone de cargaison pour voler le serveur. Non, je vois la carte. Du coup, c'est quoi ses capacités spéciales à ce perso? Parce que... mission équipe. Appelle un drone, il est capable d'appeler un drone, et l'autre c'était quoi? Ah oui, ok. Oui, ils m'ont fait venir jusqu'ici. Merde, carte. Si c'est pour repartir tout là-bas. Ok, virus, bonne nuit, toi. Je pense que je peux être sur un drone. Mais comment monter sur un drone? Personne suspectée d'appartenir à DedSec, laissez-moi rater la cible d'attaque.
S'il m'a emmené là-bas tout à l'heure, c'était sans doute que je pouvais récupérer un drone et monter dessus. Je fais que des suppositions. Tant que j'étais où j'étais. Tous les décors se ressemblent en plus. Reculez, ne vous mêlez pas de ça. Ah, il y a un truc de drone là-bas. J'arrête la poursuite. On se replie. À vous. Il faudrait que je monte. Les civils ne sont pas autorisés à entrer dans les zones interdites d'Alice. 5 êtres humains. Tout intrusion est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Entrer dans un bâtiment, ils sont pas faits. Ouais. Désactiver. Mais je peux rien faire d'autre. Ah, ok. Voilà, c'est quand même mieux. Par contre, si j'allais dans le bon sens, ce serait bien. Ah, c'est mon personnage qui est à l'envers.
Il est armé. Oui, t'as changé de masque. Je vais où comme ça? Serveur bien frais. Un, c'est tout bon, ça. Bonne chance et tâche de pas mourir. Mais tu plaisantes? Je suis un vrai pilote de rallye, moi. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Ça ira. Restez dans la zone jusqu'à ce que j'ai téléchargé assez de données pour le serveur. Téléchargement terminé. J'ai besoin d'un échantillon de données plus large. Je vous envoie les coordonnées d'un autre endroit. C'est génial, regardez ça! Cette technologie compile les données de vidéosurveillance de différentes sources, comme les drones CTOS aux alentours, les optiques civiles ou encore les caméras. Et elle les assemble pour nous montrer ce qu'il s'est passé sur les lieux il y a 24 heures. Fantastique! CTOS AR. Data reconstruction in progress. Ok, j'ai accès aux données des optiques, des caméras CTOS, des micros, des ordinateurs. Vous pensez que c'est comme ça que les sœurs espionnent nos histoires de fesses? D'ailleurs, est-ce qu'ils s'en serviraient pour autre chose que ça? Transfert terminé. Il me manque un dernier paquet de données. Je vous envoie les coordonnées de la prochaine zone.
attention, il subit trop de dégâts. Encore quelques coups et il sera grillé. CTOS AR, data reconstruction in progress. Max, j'arrive pas à me libérer là! Ne laissez pas ces drones détruire le serveur avant que j'aie terminé. Sortez du camion et occupez-vous d'eux. Tirez dessus, lancez-leur des cailloux, détruisez-les émotionnellement, mais occupez-les jusqu'à ce que le transfert soit fini. Hier pop aussitôt. C'est bon, je l'ai. On ne va pas se trimballer ce serveur ad vitam aeternam. Et ce serait une bonne idée d'effacer nos traces. Vas-y, j'écoute. Je vais surcharger les processeurs pour provoquer une surtension et détruire la batterie. L'impulsion électromagnétique devrait nous débarrasser du serveur et des drones. Il ne vous reste plus qu'à courir. Ah, ok. C'est bien abusé, vous ne trouvez pas? Une opération criminelle, de vilains tyrans bousculés et surtout un nouveau jouet pour m'occuper. Vous devriez retourner à la planque maintenant. Sabine veut faire un briefing avec vous et votre nouvelle équipe. Intéressant. Oh, c'est merveilleux. Je suis grand pour Switch. Ah oui, d'accord, ça fait un chargement même si t'es juste à côté. Fermez-la.
Ah, j'ai vu l'option. Ok. Bravo l'équipe! Ravi de voir la planque à nouveau bien remplie. La seule façon d'éviter que Londres sombre dans l'oppression totale, c'est de reconstruire la résistance. On doit recruter, former et récupérer notre arsenal. Les gens rêvent de se révolter et de récupérer leur ville. Alors c'est à nous de leur montrer que DedSec se bat à leur côté. Tant qu'on empêche tous ces pourris d'exploiter notre ville, moi ça me va. L'un de vous a déjà eu affaire à Albion. C'est eux qui ont le pouvoir, et ils le savent, ces gros bâtards. Il y a aussi le clan Kelly, qui exploite la misère des gens. Il faut les mettre sur notre liste. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas que les hackers de Zero Day sont toujours là aussi. Ils ont déjà éliminé DedSec et ils risquent fort de réessayer. Je pense qu'ils ont posé les bombes et piégé DedSec. Grâce à votre aide, je compte bien élucider ce mystère. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. On arrête de parler, et on libère Londres.